Oui, bienvenue en ce troisième volet de Trilogie de Quintessence. Le toit de la baraque, il est fini. Tu sais, j'avais filmé la baraque. Là, ils font toujours des travaux, comme ça. Le toit était fini. Oh, ça c'était la fleur pour Florence de la Saint-Valentin. Celle-ci, on dirait bien qu'elle va reprendre aussi. Toujours pour expliquer la trilogie de quintessence dans l'espace-temps. Finalement, la conférence sur le MDMA, donc, progression médicale assistée PMA, voilà. Et bien à la fin, en fait, il y a le rabbin, il y a l'imam, il y a le curé. Mais ils n'ont rien compris à ce que c'est Dieu, tu sais. C'est bien de le voir et de le filmer, parce que au moins tu peux te forger ton opinion toi-même. C'est ça, t'es l'éternel. Tu vois, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de machin. C'est pas fait pour vendre. C'est fait pour donner, pour partager. Le partage d'échanges et de savoir. Tu vois, c'est pas du business, c'est pas la télé. Parce que la télé, c'est que de la merde. Je suis bien content parce que Macron, il s'est pris un œuf dans la gueule. Bon, ils n'ont pas fait du retour du Jedi, mais il s'est pris un œuf dans la gueule. Le Macron en boîte, sauce Rothschild, boîte à Pandore. Tu vois? Comme le Donald. Alors, le vrai songe d'hier, d'avant-hier, c'était on pendait tous les milliardaires par les pieds, avec un coussin sur la tête, jusqu'à temps qu'ils signent « Je rends tout ce que je vous ai volé. » Saint-Antoine de Padoue, rendez-nous ce qui n'est pas à vous. Bon, le Trésor Public Universel, le TPU, ça fait 10 ans que j'ai écrit ça. Moi, j'avance dans mon espace-temps, mais tout se lit à l'envers. Il faut partir du début, c'est le chemin de croix. Tu vois le truc? C'est comme si, c'est comme ça, et tu chauffes ou tu chauffes pas. Si tu chauffes, c'est bien. À la tronçonneuse, c'est mieux. À la disqueuse, ça va. Hein? Il y a vraiment des gens qui sont animés par de mauvaises intentions. Et si ça se trouve, ils ne s'en rendent même pas compte. Enfin, je pense qu'au plus haut de 33 degrés de la franc-maçonnerie, ils savent que c'est des ordures. Ils savent qu'ils ont prêté serment. Ils savent qu'ils ont vendu leur âme au diable. À petit niveau, en bas de l'échelle, non, c'est les gens qui rendent service. Tu peux quand même être un gentil franc-maçon. Même si t'es pas franc, même si t'es pas maçon. Toi, je sais pas comment dire ça, moi. Illuminati, sioniste, machin, Bilderberg. Faut vous réveiller. Le centre de Triceratops, il est là. Bon. The Gate, je suis une force spatio-temporelle. Je suis l'un, le lien entre la terre et le ciel. Tu ne peux pas faire autrement, tu ne peux pas dire autrement. Ce n'est pas de ma faute, c'est comme ça et c'est tout. Mais je connais ma position dans l'espace-temps. Comment je vais vous dire ça, moi? Avec des fleurs. On a refleuri. Ça, c'est la plante à Florence. C'était pour la Saint-Valentin. Parce qu'on est les meilleures âmes du monde, les meilleurs amis du monde. Et puis, le 4 mars 92, un truc comme ça, j'avais commandé au bon Dieu le meilleur ange du ciel. Et ben, c'est Florence incarnée. Tu vois? J'avais rien compris, moi. Toi, quand t'es jeune, tu penses qu'à tirer ton coup. Hein. Faut oublier que la bonne femme, elle avait été violée. Bref, pas besoin d'en parler. Si on me demande, je le dis, mais pas besoin de le dire. Alors voilà. Ils ont fini le toit de la petite maison. C'est presque une prairie. Ils ont mis un lanterneau et puis un machin. Un des deux R2.
Voilà. Envoyé spécial pour l'éternel. Patché salut. Inch'Allah, amen. Iraim. Mazel tov, si tu veux. Je ne suis que l'interprète du moteur de mon temps. Mais Dieu merci, j'ai le temps de penser par moi-même. Je m'abreuve pas de conneries de la télé. Je regarde en fait. Macron, j'ai pris un œuf dans la gueule, très bien. Ça c'est génial. Il s'est pas pris des Jedi encore. Le retour du Jedi, non? Et où? Et dans l'espace-temps, c'est moi.